Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'univers. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Comme promis, je vous avais dit que je reviendrais ce week-end et je suis là. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous sommes samedi 11 janvier 2000 et il est 11h25. Donc, je ne pensais pas vous faire cette 75e vidéo dans la journée. Mais j'avais envie de vous retrouver. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai observé par au niveau des vues que ça plaît, donc je suis très contente. Et je dis aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. J'en ai peu. Donc si cette chaîne vous intéresse, elle est gratuite. Vous cliquez sur abonner tout simplement. Et vous pourriez voir, mais vous pourrez comme visionner donc ces vidéos. Voilà, c'est une chaîne de partage. Et donc je suis très ravie que cela vous plaise. Donc je voulais revenir un petit peu sur hier soir, sur la 74e vidéo. Donc oui, c'est dans la première partie, en présentation de l'oracle de l'arbre vie, en ce qui concerne une lame. Je vous ai dit au niveau de la lame, non, c'est pas sous ça, je me trompe complètement là. Donc, comme je vous ai présenté les lames de l'arbre de vie, donc que je vous ai présenté en première partie, donc en ce qui concerne la première lame, je vous avais montré donc la ville et je vous avais dit que c'était, comment dire, au niveau de l'oracle du manuscrit, c'était pas le manuscrit, on voyait justement. Je vous avais expliqué qu'on voyait des bâtiments, des immeubles. Donc je me suis trompé, je rattrape mon erreur, j'ai confondu. Je vous ai dit que c'était le manuscrit, alors que c'est justement l'oracle géant. Voilà. Donc vite fait, hein, au niveau de l'oracle G, hein, vous voyez l'abondance se présente comme ceci, avec ce soleil, qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté hier, mais on retrouve un petit peu plus ou moins. Quelques similitudes. Le foyer qui représente le foyer, etc. Donc rien à voir non plus avec ce que je vous ai présenté hier. La balance. Voilà, donc là on voit vraiment une belle balance. On retrouve toujours ce serpent. Donc là il est sur l'arbre. L'oracle G, il est présenté autrement. Au niveau de la force, là nous voyons un lion. Alors qu'hier, sur l'oracle de l'arbre de vie, on voit une panthère du désert, il me semble, ou la panthère de neige, hein, c'est ça. On retrouve toujours cet escargot. Voilà. Et je vous avais dit aussi sur, donc sur l'oracle G, l'ami fidèle est représenté par le chien. Alors qu'hier, au niveau de l'oracle de l'arbre de vie, il est représenté par le dauphin. Voilà, donc je tenais à réparer ces erreurs. Hier aussi, dans la deuxième partie donc de vos messages du vendredi ou du week-end, au niveau d'une carte des fées, je vous avais dit, alors je savais que c'était un signe d'eau, donc je vous avais dit que c'était le signe du scorpion, cancer, poisson, ça peut l'être aussi, ça l'est de toute façon. En premier, j'ai dit signe de feu, alors que c'était signe de l'eau, même si je me suis rattrapé par la suite. Donc voilà, je corrige aussi cette erreur. Hein. Alors vous remarquez peut-être que je n'ai plus des grosses pierres comme je le fais actuellement. Celles-ci, je les ai prises. Donc je vais vous les montrer. Elles ont été, comment dire, purifiées et rechargées cette nuit. Et je vais les remettre et les laisser encore. Hein, puisqu'on peut, on peut laisser nos bijoux, tout ce qui concerne les bijoux, en ce qui concerne la lithothérapie, on peut les laisser, comme je vous ai dit, même 2 jours après. Hein. Donc j'ai purifié tous mes oracles également. Je les ai mis aussi à la pleine lune, hein, donc l'oracle G, l'oracle du manuscrit, l'oracle de l'arbre de vie également. Donc il y a très peu de choses à recharger maintenant. Et je vais vous montrer donc le rechargement de cette nuit au niveau de la fluorine, pardon, la fluorite ou la fluorine. Alors attendez, je ne sais pas si on voit bien parce qu'on n'a pas de soleil, voilà. Là, on voit bien qu'elle a été bien rechargée. Hein. Voilà,
elle est vraiment magnifique. Donc, dans certaines vidéos, je vous parle de ses bienfaits, etc. Donc, on voit bien que ce chargement a été très très bien fait, comme quoi que la pleine lune est bénéfique pour les rechargements de nos minéraux, et etc. etc. Au niveau de cette labradorite, donc on voit bien ses reflets maintenant. Il faut bien trouver le... Tout à l'heure, j'avais trouvé l'axe. Voilà, là, on voit bien ses reflets. Regardez. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très très longtemps et on ne voyait pas ces magnifiques reflets. C'est magnifique. Donc, c'est la pierre des thérapeutes. Hein. Voilà, là, on voit un petit peu là. Il faut trouver vraiment le bon axe. J'y arrive plus. Tout à l'heure, je l'ai fait, mais... Voilà, on voit un peu ces reflets ici, là. Donc, de toute façon, je vais la remettre, hein, parce que même s'il fait jour, on peut les laisser. Hein, on les dépose sur un torchon blanc. Et donc, ça a été rechargé cette nuit, et je vais les remettre, là, tout à l'heure. Donc, ainsi que les bijoux. Hein. Et j'ai découvert sur cette agate, où on voyait à un moment un visage en 3D de chien, je me suis aperçu. Alors attendez que je retrouve. Je ne sais pas si on va bien voir. Si on observe bien, si on ne fait pas attention à cet œil-là, on voit comme un visage tout en blanc avec un bras qui comme ceci, un bras comme ça, comme si c'était des bras en avant et comme une espèce de robe blanche avec comme un collier, quelque chose autour. Hein. On voit ce visage. Comme une capuche blanche, quelqu'un qui est habillé tout en blanc avec un bras en avant. L'autre bras avec la main et puis une partie d'un corps. Hein. Donc j'ai découvert ça aussi, ce qu'il arrive sur la rhodonite ou cette agate. Elle change de... On y découvre des choses, donc j'ai des petites pierres magiques. Donc j'ai pensé à vous faire une guidance au niveau du développement personnel, si cela vous intéresse. Donc on va commencer. Donc nous avons ce petit ange. Et vous avez demandé de l'aide. Donc vous voyez la couleur bleu ciel, ça représente le chakra de la gorge. Au niveau de la communication. Donc on va commencer par demander de l'aide. Il y a quelqu'un d'entre vous qui visionne cette vidéo et qui demande de l'aide. Alors donc vous éprouvez peut-être de la difficulté à demander de l'aide, peut-être par peur d'être redevable ou parce que vous tenez peut-être à prouver que vous êtes peut-être capable d'y arriver tout seul. Hein. On a quand même sa petite fierté, à moins que vous n'anticipiez un nom, synonyme de rejet peut-être. La vie vous conduit souvent dans une situation où vous avez besoin d'apprendre à demander. Est-ce que vous l'avez remarqué? Vous avez besoin d'apprendre à demander. Hein. Donc c'est important aussi. Il ne faut pas tout garder en soi. Hein. Logiquement, l'être humain est là pour... je parle au niveau du vivant et là quand même pour vous aider aussi hein. C'est être ton prochain quelque part hein. Donc il ne faut pas non plus tout garder, tout prendre sur vos épaules hein. ça pèse lourd tout ceci donc ce qui risque de vous mener donc à une surcharge de travail donc demander conseil ou demander de l'aide il n'y a rien vraiment de dévalorisant et ne représente aucunement une forme de faiblesse. Au contraire, cela démontre que vous êtes humain et que vous prenez soin de vous. Lorsque vous refusez de demander de l'aide, c'est votre ego qui prend le dessus. Et l'orgueil qui en découle vous empêche d'apprendre des autres. Donc je vous conseille, hein, je pense qu'il y a des personnes qui visionnent cette vidéo qui demandent de l'aide. Donc on va voir la suite. Donc je vais la mettre comme ceci pour que vous puissiez voir.
Donc ensuite, j'ai trouvé qu'hier, franchement, au niveau de vos anges gardiens, ça parlait vraiment, vraiment bien. Surtout au niveau des personnes qui étaient seules et que vos anges ont bien parlé en vous disant que vous n'étiez pas seul. Hein. C'est sorti au moins 4 fois, il me semble. Hein. Donc ça a insisté énormément. Donc je pense bien aux personnes qui sont seules ce week-end. Donc il y avait aussi une leçon un petit peu à en tirer quelque part. Donc là, on vous dit, cet ange vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide. Voilà, l'aigle, comment dire, il est dans l'air, il est fort quand même. Et on vous explique qu'il est vraiment temps de déployer, ce qui reste bloqué en travers de vous. Hein. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, mais l'être humain, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide lorsqu'on en a besoin, quelle que soit l'aide. Ça peut être aussi de l'aide morale, ça peut être de l'aide peut-être d'un déménagement, vous n'osez pas, comment dire, demander à vos amis ou à votre famille. Il y a des tas de choses comme ça. Hein. Donc il est important, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Hein. Donc j'espère que cela vous parle. Ensuite, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc, vos désirs, peut-être à vous, vous qui visionnez cette vidéo aujourd'hui, le fait que vous avez un petit blocage au niveau du chakra de la gorge, on est en train de vous dire, arrêtez de vous inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Manifester, pardon. Donc je pense que vous allez peut-être comprendre et faire un travail sur vous, et vous allez voir que tout va se décanter, et que vous n'auriez plus cette... comment dire, je trouve pas le mot. Vous n'aurez plus honte de demander de l'aide. C'est tout naturel hein, chez l'être humain. Je vous rassure. Ensuite, on vous dit le changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc, il va y avoir une transformation chez vous. Il va y avoir un changement. Donc, les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais au contraire, le début d'une saison florissante. Hein. Donc, je pense que vous allez faire un travail sur vous. Et il y aura vraiment ce changement qui va se faire chez vous. Il y aura une transformation quand même à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends avec l'air jeté. Prends tout avec légèreté et détachement. Donc là, on vous invite à retrouver le plaisir au jeu, à la joie, à l'humour. Il faut vraiment dédramatiser cet enfermement que vous avez au niveau du chakra de la gorge. Donc, quelle que soit l'aide, il faut vraiment la demander. Donc, je pense que vous allez faire un travail sur vous et vous allez prendre votre courage à deux mains et quel que soit le problème, faites appel. Ça risque rien. Vous pouvez demander. Hein. Donc voilà aussi. Donc après, participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Donc cela vous invite aussi à participer au monde, à vous ouvrir davantage. Puisqu'au niveau du chakra de la gorge, il y a un petit souci quand même. Hein. Il y a des choses qui restent en travers et vous n'osez pas. Hein. Donc là, on vous invite à participer au monde, hein, de ne pas rester non plus en retrait, de s'ouvrir, comment dire, envers autrui et participer avec vraiment passion à la grande aventure de votre vie.
Donc c'est un très beau message. Donc pour d'autres personnes aussi qui visionnent cette vidéo, prenez ce qu'on vous offre. Donc ça peut représenter certainement d'accepter ce qu'on vous offre, mais ça peut avoir aussi une signification, hein, puisque là c'est une guidance au niveau de comment dire. C'est une guidance au niveau du développement personnel, hein. Donc voici cette carte. Hein. Alors ceci vous explique. Hein. Vous êtes appelé à apprécier davantage ce que vous recevez. D'accord ? Vous avez tendance à manifester de l'insatisfaction, car ce que l'on vous a offert n'est pas tout à fait ce que vous vouliez. Donc souhaitiez ou anticiper afin d'éliminer le plus possible de frustrations inutiles. Donc il faut apprendre à vous satisfaire de ce qu'on vous offre, qu'il s'agisse de votre vie personnelle ou professionnelle. Donc soyez heureux de ce que vous recevez. La vie est bonne avec vous et le fait d'apprécier ce qui vous entoure est certainement une excellente façon de nourrir le bonheur et la joie de vivre. Ne comptez pas parmi les éternels insatisfaits. Les éternels râleurs qui ne savent simplement pas voir le beau qui les entoure. Donc regardez un superbe paysage, appréciez le soleil et la chaleur sans ajouter un commentaire comme « c'est dommage ». Il faisait moins chaud ou moins froid. Donc, il faut aussi apprendre à dire merci et vous recevrez davantage. Hein. Donc, voilà, ça peut être pris dans un sens comme ça peut être pris dans un autre sens. Hein. À qui ça parle hein. Donc, au niveau du murmure des anges, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt pour ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc arrêtez de vous inquiéter, on vous dit. Hein. Pour ce que vous ne possédez pas encore. De toute façon, posséder, j'aime pas trop ce mot, puisque dans la vie, rien n'est vraiment acquis. Par contre, concentrez-vous plutôt que de ce que vous avez réellement, là, actuellement, au présent. Comme je dis toujours, ici et maintenant. Et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Voilà, vous devez changer un petit peu de comment dire cette façon quand même de voir les choses. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le bonheur commence avec un sourire. Donc le bonheur, c'est aussi très simple. Donc je crois que j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Il peut commencer avec un sourire. Hein. Vous voyez, le bonheur, c'est si peu et beaucoup à la fois. Donc voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, avec l'oracle de la forêt, la joie, semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc là, on vous invite à la joie, à semer des belles graines de joie, malgré une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Là, on vous invite aussi à la joie. Donc, c'est des beaux messages aussi. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc, on vous demande, les fées vous demandent de fermer les yeux, de vous laisser emporter avec légèreté par leurs ailes. Vous allez prendre de la hauteur. Et là, il va être possible d'envisager de nouvelles solutions à vos problèmes, à ce niveau de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Prenez ce que l'on vous offre. Et tout ce que je vous ai dit avant également. Encore une petite fée. La fée de la balance. Alors peut-être que la fée de la balance, c'est quelqu'un qui est du signe de la balance ou qui peut avoir un ascendant balance. Alors, on vous dit, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide.
Donc vous êtes quelqu'un peut-être pas trop diplomate. Donc on vous fait comprendre qu'il faut développer comment dire cette qualité de diplomatie, être plus diplomate. Hein. Et elles vous seront vraiment d'une grande aide. Ça va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. Hein. Je n'aime pas dire la vie au quotidien, mais dans la vie de tous les jours, ça va vraiment comment dire vous aider. Donc c'est un beau message aussi. Hein. Donc il faut vraiment développer comment dire ces qualités, on vous le demande. Hein. Être un peu plus diplomate, hein, donc c'est pas très méchant. Hein. Donc voici. Donc on va continuer. Hein. Donc on va voir, puisque les anges ont très bien parlé hein, hier. On va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter aujourd'hui. Là, il y en a trop qui veulent sortir. Voilà. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant elles font partie de ce monde. Je pense que ce message il revient un petit peu. Hein. Il est déjà sorti. Hein. Donc, à qui ça résonne, à qui ça parle? Surtout, pensez aux personnes que vous aimez. Peut-être que ce week-end, vous êtes, comment dire, en famille ou en couple ou, comment dire, avec des amis proches. Il faut leur faire comprendre que ces personnes comptent pour vous. C'est vraiment essentiel. Hein. Donc, il est nécessaire de leur dire hein, tant qu'elles font partie de ce monde. Hein. Faut pas toujours le dire après quand les personnes malheureusement partent vers un ailleurs. Hein, on souffre et puis des fois on se dit oh, si j'avais su, j'aurais dû leur dire ceci, j'aurais dû leur dire cela. Et après on est malheureux ou malheureuse. Donc voilà ce qu'on peut rajouter aujourd'hui. Voilà ce que vous dit votre ange aujourd'hui. Hein, à qui ça va résonner bien sûr. Hein. Je reviens à hier. Hier je vous avais sorti aussi. La carte de l'oracle, il me semble de. Je réfléchis. Il me semble que c'était l'oracle de la petite forêt. Il me semble que j'avais sorti la carte mise en garde. Hein. Je vous avais dit prudence. Hein. Il se peut que vous traversez, comment dire, sur une route entourée d'une forêt. Donc on avait sorti la carte de la forêt. Et il y avait une mise en garde. Hein. Je vous avais dit certainement que ce week-end, peut-être que vous étiez parti, je ne sais pas, qu'il fallait être prudent parce qu'on voyait quand même, ça représentait la forêt. Donc il y a des routes qui traversent les forêts. Donc il y avait quand même une mise en garde. Hein. Donc j'avais oublié de vous dire qu'on peut très bien en voiture traverser une forêt. Hein. Vous l'avez à votre droite, vous l'avez à votre gauche. Donc attention aussi. Donc je le redis encore. Donc on va voir ce que les fées ont à vous dire encore au niveau de cette guidance personnalisée. Peut-être que ça va y répondre. Peut-être que ça va dire autre chose. Pour les personnes qui visionnent cette vidéo aujourd'hui. Il y en a tombé, mais celle-ci, elle veut partir. Hop. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc, il y a en ce moment des personnes, peut-être des personnes qui sont seules ce week-end. Hein. On revient un petit peu à la vidéo d'hier. Donc il est urgent pour toi de croire en la magie. Peut-être qu'il y a une période où vous y croyez un petit peu et puis ça s'est estompé, effacé. Et on vous demande de vous comment dire, reconnecter. Donc il faut quand même quitter cette grisaille au niveau du mental. Hein. Au niveau du mental, si vous êtes seul ce week-end, on sent que vous n'êtes pas bien. Hein. Puisqu'hier, nous avons sorti au niveau des murmures des anges que vous n'étiez pas seul, que vous avez vos guides près de vous. Hein. Et comme ça, vous allez pouvoir ressentir la beauté
du mystère, du la beauté du mystère, quelque chose de mystérieux. Hein. Donc c'est bien aussi. Hein. Donc je trouve que ça parle bien aussi. Hein. Et là, nous allons voir ce que le petit oracle de Gaïa a à vous dire également. Donc là, ça peut s'adresser aux personnes qui ont visionné donc la vidéo d'hier, hier soir, la seconde partie, et puis d'autres personnes également. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message à dire aujourd'hui ? On apprend ceci. Ben voilà, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne, ça se répète, on l'a sorti hier. Qui sommeille en toi, ouvre-toi ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc voilà, c'est un rappel aussi avec l'appel des fées. Hein. Là, c'est le petit oracle de Gaïa. Vous voyez, ça se rejoint, hein. Donc ça se répète encore, hein. C'est un message qu'on vous transmet là. Donc il est urgent de croire de nouveau à la magie et de reconnecter, pardon, quitte la grisaille du mental, hein, quand le mental est atteint et pollué, il est gris, hein, bien sûr, et ressent la beauté du mystérieux. Et là, entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux de l'œuvre. Donc ça se répète. Hein. Donc là, c'est vraiment un beau message, là. Là, je pense qu'on vous fait comprendre beaucoup de choses à l'un ou l'une d'entre vous. Hein. Donc, ça va bien avec. Hein. Et l'oracle de la forêt. Donc, je pense qu'elle va être encore en deuxième partie. Hein. Je suis vraiment désolé. Le temps, il passe tellement vite que je m'en aperçois même pas. Pourtant, j'ai l'heure en face, je ne la regarde pas parce que je suis vraiment concentré. À ces messages pour vous. Donc je suis désolé, cette 75e vidéo, elle sera en deux parties. Hein. Désolé. C'est embêtant parce que... Donc, je demande à l'oracle de la forêt un autre message pour les personnes qui visionnent cette vidéo. Comme ça a du mal à sortir. L'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Donc là, ça s'adresse peut-être à d'autres personnes qui visionnent cette vidéo. Vous êtes une personne peut-être un petit peu trop carrée. Vous n'aimez pas trop vous aventurer. Donc là, justement, on vous transmet qu'il faut que vous soyez libre et suivez votre instinct. Voilà, n'écoutez pas les autres, soyez pas trop carré, soyez libre. Donc, oui, quelque part, ça va dans cette guidance, comme je disais tout à l'heure, hein, cette guidance donc cette guidance du développement personnel. Donc, je vais vous laisser, ça va bientôt couper, je suis désolée, il va y avoir la suite après. Donc, cette 75e vidéo sera en deux parties, je vous retrouve à tout de suite.